comme vous pouvez le voir. On va jouer en SP5 archer. Bon, j'ai mon autre perso qui est juste là pour mettre la morale. Donc j'ai mis des résis surtout aux lumières avec une quadri. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc là on va jouer bien sûr en mode gros FDP, c'est à dire hop là, la totale. Ah ouais hein. On va pas se gêner. On va voir ce que ça donnait. On va essayer de shooter la backline. Bon bah ça se passe plutôt bien. Donc c'est le début du raid, hein. Il vient juste de commencer, vous voyez, 58 minutes. Donc on va jouer très très safe. On va surtout se mettre bien derrière, spammer la roquette le plus possible. Après on va peut-être rush dans le tas des fois comme ceci, mais c'est risqué, c'est vraiment risqué. Et comme je suis assez limite en résil feu, ou obscur, vraiment faire attention à tout ce qui est SP7. Et là que je me fais attaquer quand même pas mal. Donc là on a un tank en SP6 qui est vraiment, qui a l'air de vraiment bien bien encaisser les coups. Je sais pas trop où donner de la tête. Bon, on va voir ce que ça donne. Oh, le fail. Voilà, super S20. Magnifique S20, un petit kill, voilà, c'est récupéré. Ça c'est calme pour une fois. Alors lui toujours en vie lui. Je tiens à dire que je reconnais absolument pas les gens. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont doués pour ça, à reconnaître les gens. Moi, je suis acte 4, je reconnais mais vraiment, vraiment personne. Donc j'essaie de bourrer dans le tas comme je peux. Vous allez peut-être me dire que je joue comme un gros lâche ou quoi, mais je pense que c'est le principe de l'archer de jouer bah bien, bien derrière, bien planqué derrière la front lane quoi. Par contre je surveille peut-être pas assez ma caméra, je surveille peut-être pas assez derrière moi. On va focus. Là SP6 mage. Ouais, ça suffira pas. À moins qu'on passe un crit. Non. Ok, elle est sous le bouclier d'un... Merde, je sais plus comment il s'appelle ce skill. En gros, elle est invincible pendant quelques secondes. Par contre, on va essayer de tempo. Alors par contre, autant mettre des popo attaques, des boosters et tout ça, je m'en fous. Autant popoter, je le fais absolument pas. Si je le fais, ça sera vraiment une erreur de ma part. J'ai pas trop envie d'y aller là, parce que je sens qu'il est costaud. Je crois que c'est celui de tout à l'heure. Ouais, je vais pas choper. On a réussi à s'en sortir. Alors je popote pas, certes. Par contre, j'ai quand même ma rune régénération qui me fait, regardez, régénérer 900 HP par 2 secondes, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement. Hop là, un petit kill. Grenade. Ah, je peux pas le finir. J'aime pas trop le Caligor parce que... j'ai reculé parce que j'ai pas beaucoup de résil obscur. Et le Caligor peut faire très 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 mal. On va essayer de finir cette personne. Je pense que je peux l'avoir. Raté. Je vais aller me rebuff sur l'escrit. Parce que pas de morale égale full miss, c'est un peu la misère. Hop là. Donc on continue. Il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve. Mais pour une fois, on n'est pas devant chez eux. Bon, je vais pas souvent en acte 4, mais régulièrement, soit on est devant chez eux, soit ils sont devant chez nous. Enfin, quand je dis chez nous, c'est devant le spawn.
C'est dommage, hein, j'ai pas éclaté quelqu'un. Ah voilà, ça c'est bon ça, des petits 30k des familles. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Petite grenade, ça passe pas. Le stun n'est pas passé. Tue les AFK. Bah voilà, mais voilà, mais c'est génial. Titre. Est-ce que je peux la tuer? C'était pas très glorieux, vu la rapide, ça devait pas être du haut niveau. Remarque, tout le monde est au minimum 80, on dirait. Je suis en train de tuer. Je suis en train de tirer sur un ratufu, c'est normal. Tout à fait normal. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faux, puisqu'on a l'air de commencer à les envahir. Peut-être c'était le cas depuis tout à l'heure et je m'en suis pas rendu compte. Est-ce qu'il y a du monde? Non, que dalle. Voilà, c'est ce genre de choses. Comment vous faites pour cliquer? Je sais pas comment ils font les gens, moi je... Non, j'ai du mal. Allez. Voilà, parfait. J'aime pas trop les spécismages. Il y en a qui font très mal. Bon, après je suis à 121 rési plus le buff de la Phoebe qui me fait à 131, donc je suis quand même relativement safe. Alors je me prends quand même, je me suis quand même pris un 7k quoi. Ah, je vais crever. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas les 6-6 matchs. Parce que ça peut faire très mal. Vous stun. Et autant dire que dans ce jeu, un stun, si vous n'êtes pas un tank, un stun c'est. Ah, c'est la mort. Hein. Un stun c'est la mort. Tout simplement. On va se reprendre les petits popos. Et c'est reparti. On va taper sur le tank hein, puisque tout le monde tape dessus comme un gros retard. Du coup faut faire très attention, ouais, donc SP6 mage, SP6 escrit, j'ai mes pets qui se baladent, c'est pas très... Oh et puis tiens, regardez, on va les troller un peu, petit coup de debuff. Voilà, plus de buff, ça c'est parfait. Ce qui est hallucinant c'est que je me fais quand même full hit hein. Je me suis quand même fait full hit avec une morale. À moins que je me sois fait virer mes buffs sans que je m'en rende compte. Mais bon, avec la chance que j'ai, c'est même pas ça. Vous pourrez regarder sur la vidéo au ralenti, vous le saurez. On va attendre quelques secondes que je récupère la morale et on y retourne. Donc voyez le setup, hein, 56 de résifeu, je crois que j'ai pas grand chose hein, sur la rune, c'est juste une rune régène repos avec un peu de résifeu quoi, c'est tout, hein. y a rien d'exceptionnel ou quoi, c'est plutôt une rune de merde, voilà. Donc voilà, on récupère la morale et c'est reparti. Ah c'est fou quand même que je... J'ai pas vu ce qu'on me disait. Ouais, c'est vrai que je pourrais rebuff le tas. Allez, on va snipe. Ouais, voilà, le super effet du gotage que j'adore. On va y passer. Stun. J'adore. Donc, je trouve que vraiment dans ce jeu, les CC sont beaucoup trop longs. Pour toutes les classes. Pour toutes les classes qui sont squishy, c'est-à-dire qui ne sont pas des tanks, donc archer-mage, c'est quasiment sûr que si vous faites cette stun, vous êtes mort alors qu'un escrit. Il sent un peu les cacahuètes. Ça fait deux fois que je me fais choper comme une merde. On va jouer plus safe. On va vraiment reculer à fond et brûler. J'aime pas trop focus les SP7. Le route. Vous voyez, est-ce que vous avez vu la durée des contrôles quand même? Pendant 7 secondes, vous pouvez rien faire quoi. C'est assez indécent. Alors, par contre, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas pu faire mon. Chevaucher la fusée là, le truc qui. Mon escape quoi. Normalement, je suis censé pouvoir la faire même si je suis route. À moins qu'on ne puisse pas attaquer, je m'en rappelle pas, mais il me semble qu'on pouvait attaquer sur le debuff de SP8 escrit.
devoir reculer, faire attention. Ah, je prends du... Ah, mais ça, c'est des marous, voilà. Combien? Voilà, 60%. C'est vraiment n'importe quoi, le marou. Ça mérite un petit coup de je te vire tes buffs. Y'a pas de raison, hein. Tu veux jouer au marou. Nous, on va leur virer un petit kill qui a été récupéré. Oh, j'ai tiré sur le... J'ai encore tiré sur le... Oh, il est pas loin. Bah c'est bon, maintenant il est mort. Je suis désolé si vous voyez pas très bien, je tourne pas forcément la caméra bien comme il faut. Bon, c'est parti, on continue. Allez, on se snipe. Allez. Ah, raté. Petite grenade quand même. Qu'est-ce que j'ai pris là? Bon, il y a des fois où je lag un peu aussi, hein. Il y a ça aussi. Ouais. Là, c'est carrément du gros freeze. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour enculer. Wow. J'ai enlevé les pseudos. Ça sera peut-être mieux. Comment vous les jouez comme ça? La personne est sur moi avant même... Des fois ça m'arrive d'être mort avant même de savoir pourquoi. Bon là c'est pas le cas mais... Ce marou... Voilà, super, j'ai un marou, je prends 0 coup. Je crois que je vais finir par en acheter un parce que c'est vraiment n'importe quoi. Là, par exemple là je peux très bien être mort sans le savoir. Ouais. Mort ou pas mort? Ah, c'est tendu là. Ça a l'air d'être revenu à la normale. Ok. Je vais reculer au cas où encore un peu parce que j'ai vraiment... Ça a vraiment l'air d'être complètement prise. Ah, c'est violent. Faire. Bon, j'espère que ça va passer parce que sinon la vidéo va être complètement pourrie. Déjà qu'elle est... Voilà, je suis au moins mort là. Voilà. Qu'est-ce que je suis censé faire face à ça? Où est-ce que je suis? Oh mon... Wow, génial. Ah, c'est... Wow. Bon. Bon, au moins on n'est pas mort. Comment, je ne sais pas. On a peut-être juke notre adversaire avec du lag en mode je suis là. Tu m'auras pas, Jackie Chan. Petite roquette. Oh, regardez, il y a mis 10 ans à partir ma roquette. Oh, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Bon, là ça a l'air d'être un peu mieux. On va pouvoir brûler un peu. Ok. Une petite baleine qui fait sympa. Qui est toujours sympa. Je vais bouger un peu mon esprit pour qu'il se fasse pas d'écho. Ah non, je vais me barrer du Caligor, il pue la merde de Caligor. Surtout que les gens qui sont au Caligor souvent sont en Rési Magmaros, donc feu obscur, voire quadri. Mais s'ils sont en feu obscur, du coup, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en full obscur, vous allez vous faire quand même bien vous faire tabasser par le Caligor. Donc souvent les gens sont en full. Obscur, donc en feu obscur, et c'est pas génial, disons que c'est pas génial du coup d'aller en feu à côté. J'ai pas remis mes popo attaque défense HP. Oh, c'est abusé le lag qu'il y a, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Bravo. On va faire ce qu'on peut pour pas mourir. Envoyer une petite torpille. Ouais. Allez, on y va. Suicide.
Ouais, non, mais là, c'est même. J'ai même pas eu le temps d'envoyer un skill ou quoi. C'est chaud. C'est chaud. C'est pour ça que quand je vois un mec qui a zéro mort, je me dis, bah lui, il a pas la même connexion que moi. Je sais pas ce qui se passe. Oh, il a pas le même stuff aussi, hein. Il doit avoir mieux que. Ah, j'ai un skill qui s'est barré, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Ça rame, c'est abusé. Il faudrait peut-être prendre la morale. Ouais, peut-être. Ça pourrait être bien. Ah, si ça pouvait être comme ça, j'arrête le temps, je tue tout le monde. Bah non, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est mon temps à moi qui s'arrête et je me fais défoncer.